supporters. Retourne chez toi, touriste. Oh, touriste, retourne chez toi. En plus, celle-là. Je m'en vais remonter. Ah, la série, je plonge. En piste. J'arrête les voitures. Allez, Midi, plonge. Il était magnifique celui-là. Le mec a marqué le pas en fait. J'ai pas pu me plancher, j'ai le vertige. Comment le vertige? C'est dans la tête le vertige, madame. Hein. Voilà. C'est dangereux ce que vous faites quand même. Hein. On a l'habitude. On est bonjère, madame. On peut finir dans un fauteuil roulant. Hein. Ouais, mais on est jeune, on ne pense pas à ça. Bah, c'est interdit, c'est pas pour rien. Hein. De toute façon, on le sait. On sait tout, de toute façon. S'il n'y a pas d'interdit, moi, il y a des gars qui m'interdisent, moi, madame. Ah oula, tiens, vas-y, viens le maître Joe. Voilà. Allez. Ah. Regardez madame si on c'est interdit. On a le t-shirt. Allez, 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 go. Allez. Montre la tasse. Montre. 1, 2, 3. Allez. 3 secondes sinon oublie. Mais où là, j'ai bloqué là. Allez. J'ai pas peur. On oublie. Eh, t'es pas obligé de faire ça. Si, je suis obligé moi. T'as laisse tomber ce que t'as dit la fin. T'as pas honte ou quoi? Comment je vais me péter? Tu m'entends? C'est dangereux. Ah, t'as pas honte? Allez! Va falloir me la faire tourner celle-là. D'accord? Okay. Allô? Oui, excuse-moi pour le retard, j'arrive de suite. Je suis vraiment désolé. Après, j'y vais, mais le parc n'est pas. C'est ma mère. Ah, tu fais quoi là? Je te parle, tu fais quoi? Déjà lève-toi. T'as mis à quoi là? Oh les gars! Oh venez, un gars déjà en train de faire les sacs, hein! Tu culottes quand même, hein? T'as mis à quoi là? Hein? Réponds dès que je te parle. Après, tu sais les arabes, les voleurs? Tu veux quoi en vrai? Tu veux goûter le sol? Tu veux que je te balaye? Qu'est-ce qu'elle a, hein? Arrête de me regarder comme ça! Ah, bougez-vous! Oh, mon portable! Qu'est-ce que je fais avec mon portable, quoi? Pourquoi tu prends mon téléphone? T'en as un? Élève tes mains, hein! Lève vite ma mère! Qui est-ce? C'est une fois, elle fait le sac, frère! Je vais lui mettre un tac, elle va voir! Les gars, la Kahbala a des photos de nous, hein! Elle veut le créer sur Facebook! Qui? Mais c'est moi, là! Mais tu t'es douche! Mais tu t'es douche! Viens là, viens! Qu'est-ce que tu fais, là?
Donne, on boit le thé là. Mais passe. Ah, vas-y, donne, je vais m'en caler avec toi. Donne le téléphone, tout de suite. Ah, mais détends-toi. Ah, moi, j'ai pas donné mon autorisation. Non, c'est bon, attends. Elle va effacer, c'est bon. Efface. Allez, efface. Tu bandes sur nos collègues ? Tranquille. Allez, vas-y, efface maintenant. Efface, on t'a dit. Sur ma mère, ben tu sais quoi, fais-la sauter, frère. Fais-la sauter. Comme ça ? Fais-la sauter, allez. Allez, pousse-toi. Vas-y. Je peux pas. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est de l'eau. De l'eau ? Il y a que 6 mètres, là. Oh, franchement, tu peux le faire en allumette, là. Son mère, on le fait en tête, en plus. Allez. Bon, allez, lève ta robe et bouge. Allez. Allez! Eh, c'est bon, elle est énervante. Oh, ma mère, tu es fatigant. Allez! Oh. Allez, l'équipe! Allez! Allez. Oh. Voilà! Vas-y, le ça! J'ai pas besoin de regarder en bas. On y va? Allez, allez, non, allez, ça va jamais couper! Et pousse-toi là! Au chalet, tu te manges! C'est quoi cette histoire? Salam! J'ai le vertige. Moi aussi, j'ai les défauts. Allez, ça va bien se passer. Allez, viens, on descend plus bas. Allez, viens. Allez, bouge-toi. C'est bon, après, tu vas kiffer. On saute ensemble, hein. Respire un bon coup avec moi. Non, je suis pas chez moi. J'étais sur la corniche. Avec des amis. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, maintenant, tu vas m'expliquer ton délire, là. J'ai pas trop compris. Tu prends mon tel, tu prends des photos. Et en plus, tu assumes pas, genre, tu fais la vaillante, genre, la fille qui calcule pas. Bah, en fait, je comprends pas, c'est pas si grave que ça, non?
Comment c'est pas si grave que ça la vie de ma mère? Tu as pété les plans. Si moi je fais ça, ça ne dérange pas. Mais c'est juste des photos. Mais il y a pas c'est juste des photos. Tu ne connais pas. Mais tu prends des photos. Vous en avez pas, c'est de loin. Non, il y a pas de c'est de loin. Tu ne prends pas en photo. Ni on te connaît, ni tu ne connais. Tu prends pas des photos. Tu vas les effacer les photos. Oui, je les effacerai. On verra. Non, il y a pas d'or. Comment on verra? Tu continues en plus. Arrête de sourire quand je te parle. Je te jure. Frère. Je te parle. Oui. Faut qu'elle bouge, qu'elle circule. Tu dis que ça m'aille, frère. Les efface les photos. Franchement, ça m'aille. C'est bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mon frangin. Voilà. Qu'elle se casse avec ses photos pourries, frère. Tu vas pas avoir de la faire à l'envers, cette bouge. Ciao, les gars, demain. Salut. Elle t'a entendu, gros. Oh, frère, faut voir. Prête-moi un peu le scooter, là. Je travaille. Tu es sérieux? Vas-y, fais-moi plaisir, là. Oh maman! Ouais, mais moi, ma reine du fou. Elle m'a mis les démons, cette salope. Oh, t'as fait quoi? Elle t'a fait quoi? Elle rend fou, c'est ma mère. Moi, elle m'a rien fait. Trop de fois, je sers. À deux doigts de canner comme un boxeur. Qu'à perdre, ça m'y fait sa serette. À cause des coups qu'il a pris dans le vautère. Oui, des fois, je sers seul. Au sol, y'a des hommes en blanc. Qu'attendas-tu du champion? Mais bon, pas le temps, on étudie le terrain. Ce soir, j'irai voir Raya. Pour bavarder un peu de la vie, trouver de l'envie dans ce monde à part. Dans les paroles de mon vrai ami. Demain je me dis faut je desserre. Mes nerfs j'aurai rien en main. Rien normal, ouais je suis bien. Donc je peux te prendre que plus au final. Non, non, t'inquiète, c'est le nouvel chef. Tu peux lui faire confiance, c'est comme moi. Pareil. Ça va. Bon, venez. Abder, ça va faire du bien à tout le monde qui dégage. Donne-moi une adresse et c'est réglé. C'est compliqué, tu sais bien. Ces mecs, ils bougent. Ils se méfient. Ils sont 06 au moins. Je te donne ce que je peux, mon Jenny. Mais sur ma tête, ce mec, c'est un malade. Abder, c'est un dingue. René. Bon, lui, c'est Abder. Ouais. Mais c'est qui, ça? De Souza, Aristide. Mmh. Ouais, mais tu vas le trouver, il a un gros CV. Eh, vous les avez prises d'où, les photos? Parce que, franchement, elles sont bien. Mmh. Et là, c'est qui? Ça, c'est Marco. C'est un petit jeune. Je l'ai pris sous mon aile. Je le fais travailler, tu vois. Et le chauffeur, c'est un bon gars. Il vient d'où, lui? Du quartier, comme nous. Ça fait peur, quand même. Ouais. Ah ouais, c'est bien lui, hein? Ouais, je crois, franchement, ouais. Ah, c'est lui, hein? T'as eu du nez sur ce coup-là, hein? Ouais.
kiffé, les gars. Ah, il est beau. Il est beau ou pas? C'est un oeil, ça? Bonjour. Moi, tu crois? Waouh, fais ta main, fais ta main. Vas-y, ah, Hamza. C'est ma mère, il ne touche pas. Je mets pas, je ne pas la tête. Frère. Ah, quoi, c'est le bon, ça? Il est pas bon, Carlo? Je l'ai toujours ah. Tu as mis ta main comme ça? J'ai plus 5. Il est cramé. Non, je... Il colle plus. Oh. Ah, mais il va mourir, là, que ça. Ah, il va frapper nos rochers. Je suis haut. Il va sortir des rochers, va. Ça me bat les couilles, de merde. Viens avec moi, je te parle. Arrête de faire la nerveuse. On t'a dit de prendre tes affaires et de te tailler. Pourquoi? C'est propriété privée. Zahma, on te l'a dit déjà. Arrête. Toi, tu es d'où? Ah ouais, t'es du coin. Bah ouais. Et toi? Moi, Zegalad. Tu connais? De non, je vais jamais par là-bas. Tu m'étonnes. Tu fais quoi? Tu es au lycée? Ou tu jambes? Lycée. Tu sèches alors? Je t'ai cravé, tu sèches. T'en fais pas, hein. La dernière fois que j'étais à l'école, j'avais 14 ans. Je travaillais bien à l'école. Mais j'étais un élément perturbateur. Tu vas le délire? Un bac général ou pro? Général. Mmh. J'ai failli faire un bac pro à appliquer. Tu fais de l'art? Mmh. Mmh. C'est mes parents qui m'ont forcé à prendre elle. Comme quoi, ça ouvre plus de portes. C'est la semaine prochaine, le bac. Philo d'abord, et puis littérature, Oedipe Roy, Madame Bovary. Mmh. J'ai pas trop révisé. C'est beau vers chez toi. Désolé. Allô? Oui, René. Je suis pas sur la corniche, là. Je suis à Cassis. Je vais pas deviner. Hein. D'accord, à plus tard. Écoute, une stringuette. Tu peux pas rester là. Reste pas, va. C'est mieux pour toi. J'ai envie de sauter de là-haut. Montre-moi le spot. Tu me montes? Tu vas te fracasser, là. Dans quel honneur? C'est toi qui es venu me parler, non? Attends, la dernière fois, on t'a parlé, t'as pas compris, je crois. Tu peux pas débarquer comme ça, me sortir des... Montre-moi le spot. Nous, on a le droit d'aller dans ta villa, à ton lycée. Je dis pro, Madame Bovary. T'es chez nous, ici. Qu'est-ce que tu veux? Dis, si je te montre là, tu m'embrasses? Dis. Ça marche. Oh, les gars, hein? Oui. La paillotte, elle veut que je l'amène sauter. Eh, hey, lui, tu non. Vis, ah, tu elle a besoin de nous. Ça va. Laisse-le, elle se jette seule, tiens. Ça me bat les couilles. Elle est louche en plus, elle est bizarre. Elle est gentille, on va de la faire. Elle est gentille, arrête. Celle-là, c'est démerdée seule. C'est nous qu'on saute d'ici. Mais nous, on s'est sauté, elle s'est pas sautée. Elle a su. Elle se pète en deux, elle se pète en deux. Quand elle a signé, elle a signé le décharge ou la consomme. Bravo, quoi. Bravo, quoi. Bravo, quoi. On consomme pas. On consomme pas. Bon, on a fait quoi de ça, là? Eh, sur ma mère, on va le cuisiner. Bien, bien. Eh ouais, y'a pas d'échelle ici, là. On galère, mais ce qu'il y a sur ma mère. Oh, les gars, elle fracasse sur la vie de ma mère, c'est nous qu'on mord. Il prend ses moments, frère. C'est ma soeur, c'est ma cousine. Elle traîne avec nous. Eh ben, elle est là-bas, on y se connaît pas. Tiens, frère, on l'a. Pourquoi vous rigolez? Tiens, Marco. Au lâcheur. Ah, c'est trop d'être bonne mère comme ça, voilà.
Oh. Ça va? Regarde-moi. Ça va? Je t'appelle comment? Suzanne. C'est beau ça, Suzanne. Tu vas pas redescendre? Non. Viens, je vais t'aider. Hop. Alors, mets ton pied à côté du mien. Ton pied. T'as pas des jambes comme moi, toi. Allez. Vas-y, je te tiens. Bien. Ouais, c'est bien ça. Ah, c'est bien, papa, frère. Tu as trahi la Honda. La Honda, Honda, frère. Ça va? Qu'est-ce que tu as peur? T'as peur, princesse? T'as kiffé la dernière fois, arrête. Je suis là pour t'aider. Je le veux, mon bisou, moi. Allez. Ouais, elle va sauter, Suzanne. Alors, Suzanne, c'est quoi ce nom, Suzanne? Un nom de grand-mère, c'est. Oh, Suzanne, on y va? C'est parti? Allez. Allez, viens. Allez. On va sauter à trois. On va compter jusqu'à 3 et à 3 on saute. D'accord? Allez. 1. 2. 3.
même pas déçu ou quoi? Attention, virage. Tu vas te commettre pour. Vous avez pas pris des gobelets? Ah, mais c'est un gamin, lui. Ils ont tous notre âge à peu près. Vous voyez comme il charbonne. C'est un truc de fou. Il est énervé, le chef. Il est où, le chef? Lui qui a pas de chapeau. Ils sont ma mère, elle a un couteau, elle a un couteau dans la manche. Ah, c'est spatule. Avec ta tête, je crois qu'ils vont t'accepter aussi. Bon, les gars, on a les côtelettes. Allez, 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 allez. Tu m'es connu, les gars, en pleine action. C'est qui? Bonjour. C'est qui, elle? C'est une blanche. C'est ma mère. Suzanne. Tu viens manger avec nous? On a des côtelettes, des saucisses et des merguez. Pourquoi pas? C'est à la carte, hein? Saucisses. Saucisses. Et au niveau sauce, moutarde khlal, ketchup... Moutarde. Un petit whisky? Suzanne, quand je te vois sauter, j'ai le cœur qui s'arrête. Mais là, tu te rends compte que tu risques ta vie, hein? Tu te rends compte? Au devant, on le fait 40 fois en tête, et tous les jours. C'est dangereux. C'est dangereux. Tu tombes mal, tu te retrouves toute ta vie sur un fauteuil roulant. Mais moi aussi, j'avais peur au début, hein. Donc ça va, là. C'est normal que vous inquiétez, vous êtes une maman. Moi, ma daronne, si elle savait, elle me tue, je crois, elle me nique, sûr. Non, mais madame... Nous, on fait ça depuis, on va dire, toujours. On est des pros. C'est normal, vous inquiétez pour votre fille, mais ça va, on la forme. Ça va devenir une pro, je vous assure. La roue à fond. Elle se débrouille tarpin bien, maintenant. Ouais. Et le bac, dans tout ça, hein, tu révises comment, quand? Et pour le bac, faut arriver détendu, hein. Pas besoin de réviser, faut aller au talent. Madame, on fait rien de mal, en vrai. On est calé entre amis, sur ma mère. On se détend juste entre amis, hein. Ouais. Entre amis, ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui. C'est des amis, ça, hein? Ouais, ouais. Qui te laissent prendre le risque que tu prends? Alors, ça ouais. Va. Ça veut dire quoi, ça? Ma mère. Hein. Je vais prévenir ton père. Et je t'assure que ce ne sera pas la même histoire. Ah, tu sais quoi, Chopin? Avertis les Schmitt, le GIGN, la police. Oula. Oh, madame, le sandwich aux légumes. Oh, ramène les condés, hein. Madame. C'est ma croûte. Oh, c'est ça, mais elle te frappe, ta daronne. Ma mère.
Ah, t'as respecté, respecte-nous, hein. Manque d'éducation, hein. Oula. Total. Allez, dingue ta daronne, hein. Patrie. Allez, c'est dingue. Hamza, je fais n'importe quoi, Hamza. Allez, montre-moi. Montre-moi la dose. Montre-moi tes couilles, gros, vas-y. Ah, on va. Les gars. Oh, filme, allô, allô. Suzanne, filme, mais montre-moi tes couilles. Allez. Allez. Les garçons, c'est dangereux. Allez, vous descendez, là. Mais non, c'est pas dangereux. Là, il y a assez de profondeur. Allez, c'est quoi le conseil aujourd'hui? On va voir si c'est toujours la même. Il n'y a pas de conseil. Juste attention, c'est très dangereux. Regardez, il y a une plaque, là, qui me dit que c'est dangereux. Il y a moins d'un mètre cinquante. Là, tu tombes, tu meurs. Ça, c'est parce que vous avez de beaux yeux, madame. Il aurait jamais vu ça. Bouge. Tu peux pas me suivre, je suis au large. Non, tu peux pas me suivre. Elle m'envoûte aussi, ça va coussi coussa. Je sers la cause à cousine. Et quand je l'entends, je lave tout ça. Je suis dans tous mes soucis, mais ma sirène m'attire, même si c'est qu'elle pourrait me garder au large. Non, tu peux pas me suivre, je suis au large. Non, tu peux pas me suivre. Je suis au large, je suis au large. Marco, salut. Marco ? Ça va, Suzanne ? Qu'est-ce que tu fais là ? Elle est pas mal, la bagnole. Elle est belle, hein ? C'est le travail. Bon, quoi, tu sors de là ? Bah ouais. Le cercle, c'est cher, non ? Bah, quand tu viens tous les jours. Tu sais, ils font des champions là-dedans. Pour ça, t'es une championne. Je nage bien, petite Suzanne. Bah alors, elle est à qui, cette bagnole? Des hommes d'affaires. Si on va dire, je sais pas, leur homme de confiance. Super. Toi, c'est le bac lundi, alors. Et dis quoi? Madame Bovary, t'es prête? Je sais pas. Tu te sens prête? Je sais pas. Attends, j'ai le téléphone qui sonne, désolé. Allô? Ouais. Mais je suis là. Ouais, je vous vois. Ok, à de suite. Bonne soirée, à plus tard. Mais ça marche. Salut. Jenny, on te laisse passer devant. Laisse passer une voiture, il va nous repérer là. Tu laisses passer la voiture devant toi.
quoi là? Oh là là, ils nous ont détranchés. Hein. Gianni, tu fais le tour, tu te tiens prêt. Ça fait du feu? T'as ton briquet? Merci. Merci, capitaine. On se connaît? On vous connaît. Et on les connaît, René. On y va ou quoi? Garde-toi sur le côté, là, à droite. Abder! Abder, c'est pas ma faute! Marco! Espèce de fils de pute de balance! Marco! C'est nous qu'on l'a mis dedans. Nous. Il faut que tu te calmes. Hein? Écoute, de toute façon, on sait rien, d'accord? On n'en parle pas. S'il y a un problème, c'est moi qui gère avec le magistrat, d'accord? On n'en parle pas? Et je raconte quoi, moi, Samira? Je te rends compte que sa mère, elle était comme ma mère? C'est quoi pour vous, René? C'est quoi? C'est rien, c'est dégueu. Moi, j'ai grandi avec lui. Lâche-moi. Gianni, écoute-moi. On est ensemble, d'accord? T'es pas tout seul. T'es pas tout seul, Abder, on va le faire tomber, d'accord? Tu m'entends? Il va payer. De toute façon, on sait où ils sont à Plandao. Plandao? Plandao! C'est à Marseille, là. Allez, retourne d'où tu viens, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, lâche-moi. Laisse-moi. Toi, lâche-nous, hein! Allez, va, sujitons, là, tes petits branleurs. Je veux pas me taper tous les spots de Marseille. Maintenant, il faut les lever. Bon, je vais y aller, hein. T'as l'air. Fais attention à toi, mon frère. Hein. Ouais, t'inquiète. De toute façon, on est là. Vas-y, Mehdi! Ouais, Mehdi! Mehdi en force! Ouais! Oh, Mehdi, ça va? Ça va aller.
On t'appelle l'hélico si tu veux. De toute façon, une fois que tu es là-haut, tu peux plus redescendre. Tu es obligé de sauter. Il n'arrive pas à se lancer. On est bien là. Loin de tout. On ne veut même plus partir. Ouais. Bon midi. Ouais. Bravo. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était beau. Elle avait plus peur de sauter d'en bas que toi d'en haut. Arrête de piaffe, toi. On piaffe plus, ça fait depuis 4 heures, toi tu piaffes encore. Oh là, par contre. Par contre, oh, comment on fait? Comment on fait? Sois gentil quand même, d'accord? Sois gentil. Je m'envoie pas de l'alcool sur moi, quand même. Dégueulasse. Mehdi, arrête. Arrête. Mehdi, arrête. Mehdi, arrête. Marco, fais quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est pas bien, tu fais hagol. Laisse-moi juste te pèse, tu as vu, à côté de ta poitrine. Juste à côté. Non, je dis, ah, ça va, c'est gentil. Bon, ça va, ça va, ça va, j'arrête, c'est bon, arrête. Audrey, tu as plus de force que moi. Arrête, je peux pas venir maintenant. Arrête. Non. Bonne soirée. À qui, ça va. C'est bon, c'est bon. Vraiment, on peut pas. Oh, j'attrape quand même autant. Mais il fait froid, hein. Oh, putain. Magnifique, elle m'attire, devient maléfique. Trop tard, le mal est fait, banal est fait, c'est de la partie fils. Elle t'attire, devient maléfique. J'entends sa voix, vient du large, devient trop dangereux. Son visage. Ah, c'est faisable. Là? Il ferme à minuit, Max. Ça y est, j'ai une vision de folie, frère. On tire un paquet de fumigène et on sort avec. Les gens qui passent, ils s'affolent. Ils voient pas un gadjo, mais 10. Du rouge partout. Attends, mais en vrai, c'est du cercle qu'il faut le faire. Au cœur de Marseille, frère. Non? Mais dis, j'ai fait des sous, t'as faim? Ouais, chaud. Sûr? Chaud. Quoi, moi, je suis pas là ou quoi? Allez, banco. Franchement parfait. La viande, elle est succulente. Tiens, suré, frère. Tu nous as mis bien. C'est bon, hein. En plus, on va faire le coup du siècle là-bas. Fumigène, hala. Plein de feu de partout. Oh, je suis bouillant, ça y est. Oh, j'ai hâte. Frère, je vais te dire sincèrement. Je le sens pas à ton plan. Pourquoi, qu'est-ce que tu as? Les flics qui vont débarquer, on va finir en garde à vue. Et alors? C'est ni la première ni la dernière fois.
Ça craint. De quoi tu as peur? Comment ça, ça craint? Oh, vous êtes mis d'accord ou quoi? Et toi, il y a 2 heures, tu n'étais pas d'accord avec moi tout à l'heure? Je n'étais pas dedans? La vision que j'ai eue, tu l'avais pas avec moi? Là, maintenant, on est à table, ça y est, il n'y a plus rien. Tout en ballot. Là, c'est bon, laisse tomber. Qu'est-ce que tu as à me parler comme ça? Je dis ce que je pense. Frère, elle a raison. Le cercle, c'est mort. C'est gardé de folie. Une caserne en coin, des flics de partout. C'est quoi? C'est même gardé la nuit. Je veux pas le franco, vous m'avez dégoûté. Je suis déçu. J'ai plus faim et tout. Je vais y aller. Sérieux? On devait faire quelque chose. D'autres, j'étais partante et tout, là, ça y est. Il y a plus rien. Bonne soirée. C'est le cercle, je m'en fous. Hein. C'était la vie d'avant, ça. Le bac, Madame Bovary, le Duproy. Je sais pas si je vais y aller demain. Heureusement que tu vas y aller. Qu'est-ce qui t'arrive? Le bac? T'es pas sérieuse? Écoute, déjà ton spot, on va le faire. Tu peux me faire confiance. On va sauter de là-haut. Ça va être beau. Je vais tout bien organiser. Pour toi. Suzanne. Tu me plais. Et moi, je te plais. Merci. Suzanne. Je vais pas te dire choisir entre l'un ou l'autre. Ah, tu peux pas choisir les deux. Mais en même temps, je te comprends. Ouais. Eh bien, un truc de malade, hein. Ouais. Moi, je dis un truc, franchement, ça va mal se finir tout ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça va mal se finir. Non, 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 non. C'est si tu fais un choix que ça va mal se finir. Il y en aura forcément un des deux qui va marronner. Là, toujours négatif. Ah, ça. De nous, ouais. Majeur qu'on les connaît depuis toujours, quoi. Et Medji, c'est mon cousin. Et Marco, c'est le frérot. Non, Marco, je le connais depuis la maternelle. Et c'est un mec très bien, mais surtout sensible. Et Medji, pêcheur, c'est une pâte avec son gros ventre et tout. Arrête, après, il y a la police, hein. Il est fait pipi. Toi, pour nous, Thierry, nous, c'est loger Abder qui nous intéresse. Abder, il a déjà pris 10 ans.
trafic de stupes, attaque à main armée, homicide. T'es encore en sursis, toi, non? Mais qu'est-ce que vous avez contre moi? Rien. Et c'est quoi, ça? Mes économies. 800 euros. C'est ma grand-mère qui me les a donnés. Et elle aura la monnaie, ta mamie? Je peux la joindre, moi? T'emmerdes pas ma grand-mère, tu as compris? Là. Et si je disais que tu avais plus que deux putains de barrettes, hein? Espèce de crevure! Où se planque, Abder? Vas-y, je sais pas! Où se planque, Abder? Vas-y! C'est j'en sais rien! Oh, petit con, petit, tu vois pas que tu couvres le spouille! La réponse! Oh, Gianni, calme! Ouais, c'est ça, ça trouve, c'est lui qui l'a liquidé! Qui c'est qui l'a tué, René? Hein? Qui c'est qui l'a tué, René? Bon! C'est qui, hein? Moi, je porte plainte, il m'a cassé le bras! Oh! Stop! C'est bon! J'ai rien, mon gros mytho, petit, là! C'est bon, ça suffit! Trahis ta race. Une Renoir chez les Condé. Mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai honte pour toi. Je suis pas noire, je suis flic. Enlève-lui les pinces. Je t'enlève les pinces parce que c'est le capitaine qui m'a demandé. Je te les remets aussi si je veux. Moi, ça me rend triste si tu vas en prison. T'as un bon petit gars, t'as la vie devant toi. Couvre un type qui s'en fout de toi. Moi, je t'aime bien. Vous voulez quoi? Je suis pas une balance. Mais on ne parle pas de balancer. Tu nous dis juste où il dort. Personne n'en saura rien. Nous, les stupes, on va pas te trahir. Oh, t'as ma parole. Comment ils vont faire ta mère et ton petit frère si toi tu montes en prison? Transport d'armes, trafic de drogue. Ça chiffre en année. J'emmerde ma mère et mon petit frère, se lacère. Qu'est-ce que tu lacères, toi? Assieds-toi, je te remets les menottes. Compris? Si tu bouges encore, je te remets les pinces. Tais-toi un peu. Putain. Hein. Maintenant que vous m'avez coffré, tout le monde va le savoir. Donc que je parle ou que je dise rien, ça revient au même. Je vais me faire rafaler. Bon, écoute-moi bien, Marco, c'est très simple. C'est à toi de choisir. On te laisse partir, mais si tu donnes pas Abder dans les deux jours, j'appelle le juge et tu monteras au Beaumet. Tu peux partir, on va voir ta mère. Je t'attends dehors. Dépêche-toi. La famille ne peut pas se déplacer. Je pense sur moi, je la ramène. Il y a quoi comme bagnole? Rappel à la loi. T'oublie pas d'y aller, hein, si tu veux pas d'emmerde. Ta famille, elle est pas venue te chercher? Elle a pas que ça à faire, ma mère. Et ton père, il est où? On l'a pas trouvé, hein. T'es mineur, ils auraient dû venir, hein. Ma mère, elle y a trop été au commissariat. Quand j'étais minot, c'était garde à vue tous les soirs. J'ai vu, ouais. Maintenant, je me suis calmé. Et Abder, ça te dit quelque chose? Non. T'es sûr? Certain. Ah ouais, jamais entendu parler. T'as jamais vu Abder? Ton copain, Marco. Faudrait pas qu'il finisse au Beaumet comme ton frère Karim. Parle pas de mon frère, s'il te plaît. Je rentre pas dans ce quartier avec cette voiture. Arrête-toi là, s'il te plaît.
Alors, t'as des projets? Projets, on en a. C'est bien. Il y a mieux à faire que de sauter de la corniche ou bosser pour les dealers. Hein. Où il y a mieux? Où il n'y a pas mieux? Qu'est-ce que tu connais à ma vie? Moi, je suis un plongeur. Depuis petit, je fais ça. J'aime défier la... Je sais plus comment on dit. J'aime raser la mort. Regarde-toi. Une petite policière. On dirait qu'il n'y a personne devant moi. Tu es éteinte, moi je suis allumé. Moi. Je suis à fond, à 2000. Allez, ouvre-moi, s'il te plaît. Moi, je dois te ramener à tes parents. Allez, s'il te plaît. Bon, je te fais confiance. Et tu me mets pas dans la merde, tu rentres chez toi. D'accord. Allô? C'est qui? Ah! T'es où? J'arrive. La plante pour la dope. C'est dans un box au Rouca Blanc. L'adresse? Rue des Roches. Rue des? Je peux pas. Je suis désolé, je m'en vais. Eh oh, Marco. Tu m'as quand même pas dérangé pour ça, là. La dope sans Abder, moi, j'en ai rien à foutre, ça. Ok. Demain, j'appelle le juge. Donne-moi tranquille. Tu sors. Je peux m'arranger pour que ce soit pas des vacances, hein. Par exemple, on peut leur faire savoir qui a balancé. Quoi? C'est toi la balance aux pourritures, tu trahis ta race. Abder. L'adresse. Maintenant, tu risques trop, tu le sais, ça. Grimille du ployer, au 17. J'ai mal, je gamberge aux finesses de bataille. Retrouver ma force sur cette belle plage. J'irai plonger pour détourner cette peur du mandat. Je ferai le tour de ma ville, comme chaque soir y a des problèmes. Bon, j'en ai marre de voir les mêmes scènes. Groupies qui traînent face à l'homme qui boit tout le temps. Je vois les mêmes scènes, les choses obscènes dans les rues de Marseille. Tu peux fracasser plus qu'une dent. Je me torture sur mes 20 ans. Ça va? Alors, c'est le cercle? Je vais pas rentrer dedans. J'aime pas ces délires. J'aime pas me faire remarquer dans des trucs comme ça. S'il te plaît. Ça m'intéressait pas au début. Puis, à force de nager, je me suis perfectionnée et c'est venu. Comme d'autres choses qui viennent petit à petit. Puis, plus rien peut être autrement.
Viens, bouge. Alors ? C'est pas mieux que le cercle, ça ? Comment tu trouves ? Tu veux voir quelque chose ? Allez, viens avec moi. À mon frère Karim, si ça planque, on passe quand on peut. Mon frère, il pense beaucoup, mais pas à tout. Ma mère, elle était trop faible avec lui. Moi, c'est pas pareil. Ma mère, c'est tout. C'est tout pour moi. Elle est petite. Elle a eu beaucoup de problèmes. C'est moi qui lui fais à manger tous les jours. C'est moi qui lui allume la télé. Je m'occupe d'elle. Ma mère, elle est bretonne, d'origine. Et mon père, tunisien. Depuis mes 4 ans, je l'ai plus vu. Vas-y, file au boxeur.
Ils sont beaux tes bracelets. C'est toi qui les as fait? Non, c'est acheté. Et la croix, tu peux souvent? Non, je suis pas très très pratiquante. Quand tu as la foi, ça t'aide. Moi, je demandais beaucoup à Dieu. Il m'a pas beaucoup donné. Et c'est plutôt moi. Ouais. Juste moi, je fais pas les choses. Elle est ramadan, je fais pas les... Tiens, j'ai là ta copine. Mais je me suis calmé, tu vois. Je suis encore jeune, tu comprends? T'as un beau sourire. Toi aussi. Vous mettez Abder ici, elle en face, et Aristide dans cette voiture, on se rejoint au bureau. On va passer un peu de temps ensemble. On s'est bien fait niquer. Hein. Dans le box, on a trouvé qu'une voiture, rien d'autre. Hein? Pas de cam, rien. À ton pote Marco, là, il s'est bien foutu de ta gueule. Sa mère, elle l'a pas vu depuis 2 jours, son portable, il est mort. Bon, on verra ça au bureau, de quoi tu me parles. Ouais, bien sûr. Bon, on y va. Avec toi. Tu es la sirène, je suis le pirate. Suzanne. On pourrait rester ici toute notre vie. Ouais, pourquoi pas. On pourrait se nourrir de la nature. On mangerait des loups, des taurades, des oursins, des poulpes. Personne ne sait qu'on est ici en plus. J'avoue.
Ça y est, ils font le ménage. Deux jeunes morts. Parking de Bonneven. Il y a une heure. On y va. C'est quoi ça? Je te le dis, car j'ai perdu une proche en février à cause de ça. J'y touche plus à cette merde. Viens, on bouge, allez. On reste pas ici. On a juste à le balancer à la flotte. Papa, viens là, viens. Arrête, qu'est-ce que tu as? Ça craint de balancer, de garder. Stop. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Débloque là! C'est comme il doit y voir? Il va y avoir 3 kilos. C'est combien ça vaut? Le prix de l'or. C'est comme si on aurait 3 lingots d'or, là. C'est du caillou, du pur. Avec ça, on peut en faire 5, 10 fois plus. Où ça, on n'a jamais vu. On peut pas fermer. C'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Ça peut tout changer. Tu comprends pas? Merde, je sais pas ce qui a foutu ça, là. Merde. Oh, je sers sur ma mère, ils font quoi? Il est là, ils sont là. Voilà! Oh, mon pote, ça fait du bien, regarde ce qu'il a, Marco, il a assuré. C'est pas moi qui ai assuré, frangin, c'est elle. Vous les regardez? Tiens, c'est des matraques. Ah, les cochonnets. Tiens, regarde, toi. Tiens, Julie. Il est fermé. Viens, frère. Ils sont où, les autres? Non, mais là... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il y a un malaise entre nous, frérot. Il n'y a rien, mon frère. Tu sais de quoi je te parle. Tu as craqué ou quoi? Il y a tout le monde qui est bien, tout le monde qui est beau. Je me raconte. Sur ma mère, elle est bien. Alors, en position, opération commando, là. Tu vois? C'est ce que je t'ai dit.
il y a l'équipe fille, les gars. Oh, faut vite plonger. Faut arriver, faut faire vite. Faut aller aux urgences. Non. Si, on y va. Non, je te dis. C'est vilain. Non. Lève ta main. Ne touche pas. Ne touche pas. Lève ta main, arrête. Laisse-moi faire. Avoir confiance en toi. Toi, tu sais, t'as grandi dans la soie. Chez nous, on a des histoires. On va dire que j'ai trouvé quelque chose qui a beaucoup de valeur. Je l'ai mis de côté. T'as de la fièvre. Écoute, j'ai réfléchi. Et tu sais, c'est comme un capital. Tu as comme un héritage. Tu vois, on pourrait partir. Tous les trois. Ouvrir un resto, un garage. Tu as une affaire. Quelque chose comme l'Italie. Tu sais quoi? Ce soir, on prend le scout direct la frontière. On se décontacte à moi en plus là-bas pour nous aider. Stop! Tu as un scout à trois avec de la cam en plus. On va même pas sortir de Marseille. Et puis tu es taré d'avoir caché ça dans la calanque de Karim. Il a passé dans la nuit comme ça, mon frère. Tu l'as trouvé. Et ouais, qu'est-ce que tu crois? On l'a trouvé hier. Oh, je t'ai pas passé la clé pour cacher des merdes comme ça. Marco. Tu le sais, je vais m'en sortir, Marco. Je l'ai amené à la calanque. Elle était avec moi, et alors? On s'en fout de ça. Oh, pour de bon, Marco. Suzanne, dis quelque chose. Et toi, tu arrêtes de chialer. Tu connais quoi notre vie? Qu'est-ce qu'on est pour toi? Un stage dans les quartiers? Oh, mais nous, c'est notre vie. On n'en a pas d'autre. Et moi, j'en suis fier de ma vie, de ma mère, de ma famille. Dégage, va. Dégage dans ta vie-là avec papa et maman. Bien au chaud, tranquille. Putain. T'as pas le droit de me parler comme ça. Oh, mais touche pas. Le bac, j'y suis pas allé, le cercle, j'ai quitté. J'ai rien à foutre du cercle, moi. Je t'ai posé, moi, des questions. Je t'en demande des choses. Dégage, va. Qu'est-ce que je fous là, moi? Lâchez-moi, va. Mehdi, frère. J'ai fait tomber Abder. Je lui ai pris sa coco. Il va me tuer. Putain. Alors, s'arrache. Venons, bouge. Marco? Mon frère. Hey. Marco! Marco! Frérot, faut qu'on bouge. On peut pas rester là, frère. J'ai mal. Je t'aide, moi. On peut pas, on va se faire affaler. Mais justement, viens, bouge, frère. Venez, ils l'ont buté sans pitié. Bougez, je vous dis. Mehdi, emmène-la. Emmène-la avec toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça? Moi, j'appelle la flic, je me rends. Au moins, on tolle. Tu peux pas faire ça, ok? Arrête, quand même. T'as fait ça pour rien ou quoi? On va partir tous les trois, ok? On va avoir la belle vie. On va bouger, là. Bouge, putain! Non! Arrête! Putain, mais
Vas-y, aide-moi, s'il te plaît, je te jure. Lâche-moi, toi. Aide-moi. Allô? C'est Marco, je me rends. Vas-y, viens moi. Hein. Oh, vas-y, en bas, qu'est-ce que tu as? Je suis au parking Bonneven. À moi, qu'est-ce que tu as? Sur tout moment. Bougez, ils vont arriver. Suzanne, regarde-moi. Oh! Pars avec lui, s'il te plaît. Mehdi, embarque là avec toi. Garde-moi ma part. Que quand sorte, j'ai quelque chose. Je suis un âne, moi, c'est ça? Quoi? Eh, tu vois pas depuis tout à l'heure, Susanna, te regarde, on dirait qu'elle va te manger. Susanna, tu vas partir avec lui. C'est toi qui vas conduire. Vous allez en Italie, direction Turin. Je veux pas que tu te fasses péter encore une fois, d'accord? C'est trop après. Mon frère, toi, tu es sérieux? Marco, bougez. Bougez, allez, bougez. Tiens ton téléphone, bougez. Allez, allez, bougez. Vas-y. Et toi? Je m'en fous de moi, je suis minot, tu es sérieux? Je suis mineur, ils ont rien contre moi. Rien, frère. Allez, monte, monte. Je suis jeune, monte. Je suis mineur, j'ai des couilles. Allez, Marco, s'il te plaît, quoi. Allez, monte, allez, bougez. On se reverra plus tard. Putain! Putain! Passe les lunettes. Il est où, Marco? Je t'écoute, il est où? Bon, ce soir, tu dors au Beaumet avec ton frère, t'es content? Mais parle, enfoiré! Embarque-le! Non, on a juste interpellé le petit. Là, franchement, qu'est-ce qu'il va aller foutre en taule, lui? D'accord, j'y vais. Ok.
bougez pas. Toi, tu poses le sac. Tu m'entends? Pose le sac. Non. Pose ce sac, je te dis. Vous mettez par terre. Allongez-vous. Allongez-vous, je veux voir vos mains, là. Bougez pas, j'arrive. Oh, tu sais quoi, là? Pose ce sac. Pose ce sac. Oh. Disparaissez. Filez. Bon, allez-y, là. The song.